Nouveau document dans Adobe Dimension. Je fais apparaître le panneau latéral avec la petite icône en bas à gauche si nécessaire. Et là, on va apprendre deux, trois petites choses supplémentaires qui augmentent la productivité. Ici, je vais aller dans les modèles. Ressources pour démarrer les modèles. Et je vais démarrer avec la bouteille carrée ici, par exemple. Et je vais en mettre 6 sur le plan de travail. Donc vous allez cliquer 6 fois sur l'icône là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque fois dans le panneau scène ici, vous voyez qu'il y a un groupe qui s'ajoute puisque la bouteille est composée d'un bouchon, d'une bague de sécurité et de la bouteille. Vous pouvez les bouger par leur pivot, le point pivot. Voilà. On les voit toutes les 6 si nécessaire. Vous cliquez sur l'icône ici, caméra. Pour recentrer. Je vous rappelle qu'on a le bouton droit de la souris qui permet de pivoter autour. Alors ici, je vais faire un CTRL A, commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC pour tout sélectionner. Vous voyez la palette action ici. Action, la palette action qui est déployée. Dernière icône, aligner et répartir. Vous cliquez là-dessus. N'oubliez pas de cliquer aussi sur l'icône ici pour zoomer un peu en arrière. Alors voilà, vous allez cliquer sur une des bandes là, pas sur les gouttes. Touchez pas aux gouttes pour l'instant, mais touchez aux bandes éventuellement. Celle-là. Ou celle-là, pas la verticale, ça ne nous servira pas ici. Voilà. Et quand vous faites ça, ça répartit les bouteilles. Vous allez pouvoir les centrer en allant sur l'autre bande sur laquelle vous n'avez pas cliqué, en allant sur la goutte. Là, vous voyez la goutte centrale. On vous dit que vous allez aligner les bouteilles sur ce plan-là. Alors après, vous pouvez jouer avec les gouttes en cliquant, en glissant pour gérer la répartition dans un sens ou l'autre. Voilà. Et puis après, vous alignez éventuellement. Donc ça, c'est l'alignement. Ça peut servir. Bon, ben vous pouvez sélectionner avec la flèche noire une des bouteilles. Une des bouteilles, on a dit. Il va falloir que je clique à côté pour pouvoir en activer une. Oui, parce que tout était sélectionné, donc. Avec la flèche là, j'ai sélectionné une des bouteilles. Je vais aller mettre une matière spécifiquement sur la bouteille. Voilà, vous mettez la matière que vous voulez. Et donc, si vous voulez mettre la même matière sur les autres bouteilles, il va falloir chaque fois activer la bouteille, indiquer que sur la bouteille qui est sélectionnée, c'est l'objet bouteille que vous voulez, sur lequel vous voulez mettre la gélatine. En effet, il y a la pipette, on l'avait utilisée au tout début en fait. Pipette. Pour échantillonner la matière dans ce cas-ci.
Oui, donc il faut activer la bouteille qu'on veut modifier et avec la pipette aller puiser quelque part. Voilà. Donc tout ça est quand même ennuyeux si on a plein d'objets qui doivent avoir la même matière. Donc c'est pour ça qu'on va voir quelque chose d'autre maintenant. Bon, là je vais sélectionner des bouteilles et les supprimer. J'en garde plus qu'une seule. Vous n'en avez plus qu'une seule aussi. Alors, vous allez faire ceci, édition, copier, et puis édition, coller comme occurrence. Et là, ça va être un peu le même système que les objets dynamiques dans Photoshop. Quand vous allez modifier un des objets, les autres se modifieront. Donc, majuscule, commande V, c'est le raccourci. On peut le faire. Elles sont toutes au même endroit, forcément. Je peux faire un commande A pour toutes les sélectionner et utiliser rapidement l'outil de répartition ici. Voilà. Facile ça. Hein? Donc la première chose qu'on avait faite là tout à l'heure, c'était un peu foireux. Toutes les bouteilles arrivaient au même endroit et manuellement on les a séparées. Mais vous pouvez très bien, et là je fais CTRL Z, donc faire un commande A, activer l'outil de répartition et aller prendre une des gouttes et tirer. Et voilà. Alors là, je clique à côté et je sélectionne une des bouteilles sur laquelle je vais aller indiquer que je modifie plus spécifiquement la partie bouteille. Et je vais aller changer ça. Et c'est magique, ça change partout. Toutes les occurrences sont modifiées, c'est bien pratique ça. Touche F, je vous rappelle, pour se recentrer sur un des objets. Et là, je vais aller sélectionner le bouchon et lui mettre autre chose. Voilà. La bague, peut-être la même chose. Non, on avait dit la bague. La bague de sécurité, oui. Voilà. Donc ça marche pour tous. Hein? Voilà. La bouteille, je vais quand même aller changer ça. Voilà. Ok. Bouton droit de la souris. Et voilà. Nickel. Là, j'en ai juste pris trois et je les déplace à côté des trois autres, comme ça vous avez comme un espèce de pack. Un pack de six bouteilles, par exemple. Alors, il existe, je ne sais pas, je me souviens plus si c'est dans les objets qui sont proposés là, mais il existe des emballages pour six packs de bière, des choses comme ça. On a aussi un cube creux ici, voilà, oui, dans lequel on pourrait mettre les bouteilles, etc. Ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les occurrences, les instances en anglais. Donc les objets dynamiques de Photoshop fonctionnent comme ça. Quand on les duplique de manière normale par copier-coller, c'est une occurrence qui apparaît. Vous avez ça aussi dans Illustrator avec les symboles. Un symbole qui existe à plusieurs endroits dans le document Illustrator. Quand on modifie le symbole, ça modifie toutes ces occurrences dans le document. Alors, ici, une solution pour casser le lien, pour qu'une occurrence devienne un objet à part entière. Pourquoi pas?
Alors je vais essayer ceci avec la touche majuscule, je vais ajouter trois objets en fait. Oui, c'est bien ça. J'ai bien sélectionné trois objets, donc avec le clic majuscule, voilà, trois objets sur les six. Et ce que je vais faire ici, c'est édition coupée. Et si je refais maintenant édition collée, mais pas comme occurrence, voilà. Alors, je m'intéresse aux bouteilles qui sont dorées chez moi. Je vais double-cliquer sur une des bouteilles. J'arrive sur la texture. Et il s'agit en fait d'une texture qui est parmi les textures qui sont livrées là dans les matériaux départ. Ce sont des matières substances. Donc c'est fait avec le logiciel Substance qui est payant. Et donc dans les propriétés de la matière, je ne trouve pas ce que je recherche. J'aurais voulu pouvoir charger une normal map pour donner du relief. Tu as vu? Ah oui, mais les tons, c'est pas une matière substance, c'est les matières de base. Voilà, matériaux standard Adobe. Donc je vais aller mettre les tons, quitte à changer la couleur après, la brillance, pour que ça ressemble à de l'or un peu plus. Voilà. Et là, en effet, dans les propriétés, on va pouvoir aller charger une normal map. Voilà, c'est anormal ici, pour donner du relief. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher une normal map sur le web. Bon, je pourrais tenter de préciser. Ouais, j'ai juste tapé Art Deco par exemple et je tombe sur des normal maps. Avec des motifs, en fait, oui, en effet, typiquement Art Déco. Tiens, il y a ça qui est drôle. Pourquoi pas, Art Nouveau. Sur Pinterest. Je vais l'enregistrer tel quel directement. Hein. C'est juste pour faire le test. Voilà, c'est enregistré. Alors, en tant que normal, et voilà ce que ça donne, elle s'étend en fait sur la totalité. Bon, ici vous avez la normal map qui n'est qu'à un seul endroit de la bouteille en fait. C'est peut-être une méthode un peu à l'arrache, mais ça marche. Hein. Donc la normal map ne se trouve qu'à un endroit. Vous avez une petite idée de comment ça a été fait en moins d'une minute?
La taille, non, parce qu'on avait joué sur la taille et ça se répète, ça se répétait. À tester. Non, je vais vous montrer ici la méthode toute bête que j'ai utilisée. Bon, je vais fermer ce document-là pour revenir au précédent. Allez ouvrir cette version-là précédente que vous aviez. Voilà la normal map qui se répète. Alors voilà, je double-clique sur un des objets. Je suis sur la texture. Je descends jusque la normal map que j'ai appliquée. La normal map ici, voilà. Je vais tenter de l'ouvrir dans Photoshop avec l'édition ici. Ça a fonctionné. Si ça ne fonctionne pas, il faut l'ouvrir manuellement dans Photoshop et dans Dimension, supprimer la normal map et puis en recharger une nouvelle. Parce que tout à l'heure, ça m'a fait un truc bizarre, ça voulait pas l'ouvrir, le lien ne se faisait pas avec Photoshop. Mais donc, peu importe. Et alors, voilà. Ici, vous allez prélever avec la pipette de Photoshop la couleur de fond de la normal map. Donc ça, c'est une solution que je propose pour arriver à faire le médaillon seul sur la bouteille. Donc voilà, j'ai prélevé le fond. Je vais agrandir en zoomant en arrière et avec l'outil recadrage. Recadrage, il faut pas qu'il y ait de choses qui soient indiquées ici dans les cartouches. S'il y a quelque chose, vous cliquez sur effacer. On va faire un recadrage libre. Donc, je prends une poignée du coin, Alt et Shift en même temps et j'agrandis. Voilà, Alt et Shift, je lâche le bouton de la souris. Je valide le recadrage. Je vais créer un calque en dessous de celui qui existe. Donc c'est contrôle-clic là-dessus ou commande-clic, il va directement en dessous. Alt-delete, ben oui, Alt-delete sur Photoshop, ça envoie la couleur de premier plan, ça remplit le calque. Sinon, il faut faire édition remplir, Shift-delete pour le raccourci de la boîte édition remplir et on choisit de remplir avec la couleur de premier plan. Voilà, quoi qu'il en soit. On a un médaillon qui est entouré de beaucoup d'espace, donc on va enregistrer cette image Photoshop. Photoshop, c'est bien Photoshop, oui. On va l'enregistrer. Est-ce que j'ai besoin de l'enregistrer? Non, je vais pas l'envoyer sur le disque dur, puisqu'il vient directement de Dimension. Je vais faire fichier enregistrer. Je vais le renvoyer vers Dimension, là, ça devrait marcher. Pas besoin de l'envoyer vers le disque dur puisque le lien avait fonctionné. Voilà, il est là. Mais il est tout petit en fait là. Donc je double-clique pour aller sur la matière et je vais aller régler ici la normale, réduire la répétition pour qu'il soit plus grand. Voilà. Je réduis la répétition, plus je réduis la répétition, plus il est grand forcément. Et puis je le positionne où je veux qu'il soit avec les décalages ici. Voilà. Donc il faut le monter, le faire voyager sur la bouteille là où on veut qu'il soit. Voilà. Si je veux qu'il soit plus petit, j'augmente la répétition.
Quand tu cliques là-dessus, il veut pas. Donc dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est sur la texture, supprimer la normal map. La normal map que tu as été téléchargée tout à l'heure. Tu fais l'opération. Touche F ici. Voilà, tu fais l'opération. Tu enregistres sur le disque dur sous un nouveau nom étendu, par exemple. Et tu recharges dans dimension la normal map. Voilà, c'est un peu ennuyeux, mais c'est comme ça. Donc, cette faculté d'ouvrir une image dans une application au départ d'une autre, c'est ce qu'on appelle un bridge. Je l'appelais Link ici dans ma question à Google. Donc, j'ai demandé pourquoi le lien entre Photoshop et Dimension ne fonctionne pas et je suis tombé sur quelque chose qui n'est pas rassurant. Quelqu'un qui pose la question à Adobe, pourquoi Edit Décal ne fonctionne pas. Il a contacté le support Adobe qui ne sont pas au courant de ce bug. Les bouteilles qui sont là. Alors, quelle est la matière? Je double-clique. Je vois plastique rempli de paillettes métalliques. Et il s'agit en fait de la texture, donc ici, qui est une texture substance. Donc, dans les propriétés de la texture, je ne trouve pas la possibilité de charger une normal map. Donc, je vais mettre quelque chose d'assez similaire qui existe dans les textures de base, les matériaux standard Adobe, c'est le plastique à grain fin. Voilà. Et dans celui-là, il y a dans les propriétés la possibilité de mettre une normal map. Parfait. Alors ici, je vais refaire quelque chose qui a été fait au deuxième cours en fait. Je vais exporter l'UV, le déploiement UV. Donc il faut bien que j'arrive à sélectionner parmi les trois objets qui composent cette bouteille, mais c'est la partie, le corps de la bouteille là. Ensuite, je vais dans Menu Objet, générer des UV. Puis Menu Objet, exporter les UV. Faut que je décide où j'exporte ici, bien sûr. C'est là qu'il va l'exporter, mais c'est le bon dossier. Exporter. Voilà. Alors, dans Photoshop, j'ouvre fichier ouvrir. J'ouvre le fichier Photoshop, le déploiement UV. Le voilà. Donc on voit qu'il y a clairement des choses bizarres. Ça n'est pas très optimisé. Mais bon. Alors je vais ici dans les calques, dans les repères UV, je vais afficher la grille de texture. Fichier enregistré. Voilà. Et dans Dimension, je vais aller placer sur la bouteille l'image Photoshop. Fichier importer, placer l'image sur le modèle. Donc je vais chercher le déploiement UV. Le voilà qui arrive sous forme de décalcomanie, mais je vais passer en remplissage du fond. Et donc là, j'arrive à repérer par rapport à ce que je vois là dans Photoshop, où est-ce que je dois mettre mon étiquette. Alors imaginons que je veux mettre l'étiquette ici sur cette face-là de la bouteille. Donc je vois que c'est
Plutôt sur H2 et un peu G2, voilà, c'est donc cette partie-là. Dans Photoshop, ça va être donc cette partie ici, en fait. Si je veux qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, c'est plutôt là que je vais devoir le placer. Je retiens H2, G2. Voilà, j'enlève les repères UV ici. Si je fais fichier enregistré dans Photoshop et que je vais voir dans dimension, là, il n'a pas fait. Moi, je vais carrément supprimer ceci en fait. Touche suppression, voilà. J'ai supprimé l'image qui avait été chargée. Ok, donc dans Photoshop. Le déploiement UV. Il faut d'abord que j'ai les repères qui soient affichés parce que je sais que je dois le mettre ici en fait. Donc je vais importer le médaillon UV, fichier importer et incorporer par exemple. Le voilà, je vais chercher donc le médaillon qui était sous forme de normal map. Le voilà. Je le redimensionne. Donc c'est l'autre manière de faire un peu moins archaïque. Voilà. D'accord, donc ceci doit pas être affiché. Donc jusque-là, vous voyez à peu près la procédure, quoi. On a exporté les UV, on a placé la normale map au bon endroit. Bien. Je vais peut-être créer un calque en dessous dans lequel je vais aller remplir la couleur là. Voilà, je vais enregistrer ça sous le nom Normal Map. Et donc, en principe, si je charge ça dans la texture du plastique, ça devrait modifier à cet endroit-là le plastique. Donc la texture du plastique à grain fin, la normale map ici, je vais la supprimer, je vais aller charger celle que je viens d'enregistrer de Photoshop. Et voilà, il y est, exactement là où je voulais. Donc ça, c'est la méthode, la normal map par le déploiement UV. Ok. Après, je peux aller changer la couleur de base de la texture. La couleur de base. Ok. Ok. Donc, à tester. Bon, je vais aller rapidement chercher une image sur le web pour mettre à la place de la couleur. Voilà, donc je vais chercher une image de forêt, par exemple. OK. Avec les filtres de Bing ici, je vais indiquer que je veux une licence des choses que j'ai le droit d'utiliser du domaine public, par exemple. J'ai peut-être essayé celle-là. Ok, ça a l'air d'être, ouais, utilisable. Ok, je vais l'enregistrer.
Et alors, dans Photoshop ici, j'avais enregistré sous un nouveau nom le déploiement pour la normal map. Je vais l'appeler image de fond. Enlever l'œil en face des normal map ici. Réafficher éventuellement ça. Aller faire un calque. Non, je vais pas faire un calque, je vais carrément importer l'image. Fichier importer et incorporer. Donc l'image qui normalement devrait être au format Photoshop, ce serait mieux, mais voilà. Alors, touche Alt ici, voilà. Je vais pouvoir diminuer l'opacité temporairement du calque de l'image pour voir où je la place par rapport au déploiement UV. Bon, mais ça a l'air d'être pas mal, ça. Ok, mais en fait, je ne la veux que sur les faces de la bouteille, en fait. Donc, je vais peut-être quand même sélectionner les faces de la bouteille. Voilà. Et me servir de ça en tant que masque. Ici, voilà. Ok. Donc, j'enregistre ça et je vais tenter de le charger dans Dimension à la place de la couleur de base. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Avec l'effet de médaillon très discret. Ok. Avec l'effet de médaillon très discret, mais qui pourrait être en couleur dans l'image. Ctrl-clic ou commande-clic là-dessus pour générer la sélection. Non, ça n'ira pas. Faut que je fasse une sélection là-dessus. Sélection, transformer la sélection. Ok, on va dire c'est à peu près bon ça. Remplir avec une couleur simplement. Un nouveau calque. Oui, on va dire que c'est ça. Voilà. Sauvegarder. Bon, à partir de là, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ah, j'ai oublié d'enlever l'œil en face de ces trucs. Voilà. Après, il y a plein de tests à faire. Bon, il prend un peu de temps pour se mettre à jour. Ah tiens, j'ai un bout de mon image qui se met là. Ça, c'est parce que j'ai été trop vite pour faire le déploiement UV dans Photoshop. Il y a certainement une partie de l'image qui déborde
sur un endroit où ça devrait pas. Oui, c'est là. Ok, je vois. Bon, peu importe. Je vais pas corriger ça maintenant. Vous avez le bouton d'exportation, il fonctionne chez vous. Partager des scènes 3D en haut, à droite. Vous avez la possibilité de faire rapidement une image PNG que vous allez pouvoir envoyer. Ça, c'est pour la mettre dans le presse-papier, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse ici un peu plus, c'est publier une scène 3D. Et là, vous, dans publier une scène 3D, vous avez créé un lien public. Voilà, c'est en train de bosser. Et en principe, le lien, si on le colle dans un navigateur, ça devrait permettre de voir l'objet 3D, même si vous n'avez pas dimension. Le client va pouvoir regarder. Il est en train de l'uploader. Publication. Génération du lien, voilà. On a copié le lien. On a aussi affiché sur le web. Je vais directement cliquer sur afficher sur le web. Donc voilà le lien, c'est chez Adobe. Bon, c'est un objet complexe, mais on sait le tourner, voilà. Là, je suis dans un navigateur web en train de tourner la scène. Donc, exportation pour le web. Dans le navigateur web, je vois. Évidemment, j'ai pas mis d'image d'arrière-plan, donc c'est un peu foireux. C'est un peu vide. Le zoom arrière avec la roulette de la souris, c'est pas mal aussi. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je reviens là dans Dimension et je vous montre ceci. Si je sélectionne les objets que je veux exporter et que je clique sur le bouton là, je suis revenu avec la petite flèche au menu d'exportation de départ. Donc, vous avez exporté la sélection pour Aero. Aero, c'est le système de réalité augmentée de Adobe. Donc voilà, votre fichier sera converti pour être utilisé en réalité augmentée, blablabla. Bon, je vais pas le faire ici, je vais juste vous montrer là sur YouTube une petite vidéo de chez Adobe for Education, oui. Avec le smartphone, regardez une partie du paysage dans lequel a été implanté le modèle 3D. Donc ça peut être intéressant de voir les bouteilles, les packaging que vous avez mis au point, de les voir dans un environnement réel. Mais vous pourrez tester ça par vous-même, si ça vous intéresse, la réalité augmentée. Ok, je vais sélectionner ces deux objets et faire objet verrouillé. Objet verrouillé. Voilà. Donc ils sont plus accessibles. Donc je vais pouvoir chipoter dans le coin sans les activer. Et donc modèle texte. Touche F, voilà le texte. Ok. Donc clic droit, touche F.
Alors, le texte, je le sélectionne et dans les propriétés, vous allez remplacer lorem ipsum par ce que vous voulez. Voilà. Vous allez choisir la police de caractère. Et ce serait peut-être pas mal d'en choisir une bien épaisse. Parce que pour la suite, ce sera bien. Pour tester les effets dessus. Voilà, je vais déjà enregistrer ça. Donc, si vous voulez différentes polices de caractère, il faut faire différents objets texte, les agencer les uns par rapport aux autres. Donc, vous avez la dimension du texte, la profondeur en centimètres. Je vais augmenter la profondeur. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant à ce stade, c'est d'aller voir dans la caméra si on ne peut pas donner un effet. Trouver la caméra, voilà, dans la scène. Un effet un peu plus grand angulaire. Ça, on n'a pas vraiment vu, hein, la caméra, la modification du champ angulaire. Voilà, c'est ça. J'augmente le champ angulaire. L'objet devient tout petit. J'enfonce la touche F pour le recentrer. Et voilà le genre de choses qu'on obtient de la perspective. Donc là, j'utilise le bouton droit de la souris pour la caméra. Bouton du milieu de la souris que j'enfonce pour déplacer. Bon, j'y suis allé un peu fort là quand même, mais bon. Bon, je reviens à sélectionner l'objet et je vais pouvoir modifier éventuellement la profondeur un peu quand même. Voilà. Vous avez le biseau qui peut s'enclencher. Voilà, donc sur l'objet texte qui est sélectionné, j'enclenche le biseau. Voilà ce que ça donne. Roulette de la souris pour faire un petit dolly pour m'approcher. Voilà, à ce stade, on va pouvoir tenter de mettre une texture sur le texte. Voilà, par exemple, mais c'est un peu too much. Ok, essayons l'effet métal comme ça, voilà. Donc là, l'objet texte était sélectionné, j'ai cliqué sur la matière métal, elle s'est mise sur tout le texte. Mais regardez, dans la scène, vous avez pour l'objet texte, quand vous double-cliquez sur lui, vous avez possibilité de texturer différemment les côtés, la face, le biseau, l'arrière. Ben, je vais essayer la face. Voilà, face. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme texture? Plastique avec motif. Oui, pourquoi pas ça. Ok. Le biseau, je pourrais mettre la même chose. Ou une autre couleur. Voilà.
sachant que toutes les matières peuvent être modifiées par les paramètres. Voilà, amusant. Ah oui, hein, il y a du reflet, il y a du normal map ou de la map de rugosité peut-être. Il faudrait aller voir comment c'est fait. Ah oui, c'est ça, c'est une map de rugosité, je pense, qui a été mise. Ouais. Pour... Ce qui m'intéresse, c'est la face, en fait. La face. Oui, il y a une map de rugosité qui ressemble en effet à ça. C'est de là que ça vient. L'effet de croisillon, sans doute. Bon, ça doit vous faire penser à Photoshop, hein, et les biseaux, le contour. Ok, au niveau des types de biseaux, vous en avez ici quelques-uns. Biseaux par étape, ça peut être bien. J'aime bien ce genre de choses, mais avec cette texture-là, c'est peut-être pas génial. Est-ce que le nombre d'étapes peut être modifié? Oui, certainement. Ah oui, avec répéter, ça c'est assez génial. Voilà, répéter, ça répète. Évidemment, si on en fait énormément, ça commence à ressembler à des choses bizarres. Pourquoi pas, c'est disco. Mais si on fait un truc comme ça, moi j'aime bien ça. Ça vous fait penser à rien, ça? En supposant que, oui, sur le texte, on a mis une texture sérieuse. Voilà, je viens mettre une texture laiton sur tout le texte, donc tout ce que j'ai fait avant a été oublié. Ça, ça fait assez art déco, en fait. Hein. C'est le style art déco, streamline art déco, c'est de l'art déco américain, en fait. J'ai juste tapé streamline art déco et... on trouve ce style-là, un peu comme ça, voilà. Des choses qui se décalent comme ça, c'est typique art déco américain. Donc ce que vous devriez essayer par vous-même pour la suite, c'est des simulations d'impression avec finition. Donc du gaufrage, du vernis sélectif, de la découpe. Vous allez pouvoir le faire dans Dimension. Donc des simulations de cartes de visite complexes et chères, par exemple, ou de documents luxueux. De couverture luxueuse. Donc vous avez la technique qu'il faut pour arriver à mettre une image, un UV déployé dans le rugosity map, l'opacity map pour la découpe, le normal map pour le relief. Voilà. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Donc là, j'ai juste tapé gaufrage impression et vous avez cet effet de gaufrage que vous connaissez tous, qu'on peut bien sûr simuler dans Photoshop. Mais là, vous avez vu qu'en exportant pour le web, la personne pour laquelle vous faites votre couverture carte de visite ou flyer haut de gamme avec vernis sélectif, il va pouvoir bouger dans le navigateur web et voir réellement le vernis. C'est assez génial. Et le relief, il va pouvoir le voir aussi. Ceci dit, il faut en revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, le graphisme, qu'est-ce que c'est ?
Le graphisme, c'est pas jeter par la fenêtre plein de fric pour imprimer des choses en gaufrage, en découpage, en doré, en vernis sélectif, etc. Ce qui coûte très cher. Le graphisme, c'est obtenir l'effet maximal avec le minimum de coût. C'est-à-dire que sur un papier pas très haut de gamme, avec juste de l'encre noire, un passage en presse, un graphiste va arriver à faire quelque chose qui en jette et qui est très très chouette. Donc souvenez-vous de ça, parce qu'on voit parfois des gens qui veulent faire leur CV, par exemple, ils veulent se lancer, ils veulent envoyer des CV aux entreprises, ils veulent faire des CV qui en jettent vraiment en couleur, avec plein de choses. Non, ça, vous allez juste montrer au gars avec qui vous voulez bosser que vous savez dépenser de l'argent, et c'est pas ça qu'il faut. Vraiment, et soignez surtout le truc le plus important, la typographie. Quand vous faites un CV, quand vous faites votre portfolio, la typo, la qualité de la typo,